C'est vraiment incroyable! C'est la nouvelle star de la pop. Il est devenu aussi célèbre qu'un Beatles. Les filles l'adorent. Justin Bieber est un adolescent très mature. Cela peut paraître exagéré, mais il suffit d'écouter ne serait-ce qu'une fois cette tornade musicale de 16 ans pour réaliser qu'il est à des années-lumière des artistes pop formatés de son âge. Il a signé un contrat avec la star du R&B, Usher. Je lui ai dit, j'ai signé avec un ado. Crois-moi, il va faire un carton. Vos fans vous adorent. Merci beaucoup. C'est le grand amour. Plus jeune que le bachelier moyen, la superstar a battu tous les records sur les plus gros sites internet. Des millions de personnes à travers le monde ont écouté ses chansons et il a attiré l'attention de quelques demoiselles. Je sais que c'est le rêve de beaucoup d'enfants et j'ai vraiment de la chance que ça m'arrive à moi. Il a beau avoir le CV d'un musicien expérimenté, en réalité, Justin Bieber n'en est qu'à ses premiers pas. Vous êtes en plein rêve. C'est parti, on va s'amuser. C'est à London, dans la province canadienne de l'Ontario, que Patricia Mallette et Jeremy Bieber donnent naissance à Justin le 1er mars 1994. Même si son père a joué un rôle important dans son éducation et a toujours été présent quand Justin avait besoin de lui, c'est sa mère qui l'a élevé. La séparation de mes parents ne m'a pas spécialement marqué. Quand je vois que je suis devenue l'artiste que je rêvais d'être, je me dis que j'ai beaucoup de chance. Patty et Justin ont déménagé à Stratford pour se rapprocher de leur famille et de leur église. Vous venez de London, c'est ça? Oui, je suis né dans une ville qui s'appelle London. C'est dans l'Ontario, au Canada. Et ensuite, j'ai grandi dans la ville de Stratford. Qui est une petite ville. Oui. Justin a rapidement montré qu'il avait un don incroyable pour la musique. Vous avez appris seul à jouer de plusieurs instruments? Oui. Lesquels? Je joue de la guitare, de la batterie, du piano et un peu de trompette. Vous avez grandi avec la musique? Oui, j'ai grandi avec différents instruments. Mon père joue de la guitare et du piano et ma mère joue de la guitare et chante un petit peu. D'accord. La musique était très présente chez vous. Oui. La famille de Justin adorait explorer tous les aspects de la musique et laisser Justin pratiquer quasiment toutes les disciplines pour lesquelles il avait du talent. Il jouait de la batterie le vendredi soir et du piano pendant la journée. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était chanter. Que ce soit chez lui ou dans la rue. Et c'est sa voix unique qui a attiré toute l'attention sur lui. Dis-nous ce que tu sais faire musicalement. J'ai commencé quand j'avais 2 ans, en jouant de la batterie. On aurait dit que j'avais déjà envie de jouer de la batterie quand j'étais dans le ventre de ma mère. À 4 ans, j'ai eu ma première batterie. Et à ce moment-là, je voulais juste... je savais que j'allais devenir un artiste et me retrouver sous les projecteurs, mais je savais pas que ce serait en tant que chanteur. Alors j'ai appris à jouer de plusieurs instruments, de la guitare, du piano et de la batterie. Love.
À l'école, on avait un orchestre et on devait tous apprendre à jouer d'un instrument. Moi, c'était la trompette. Mais je ne savais pas lire une partition. En fait, ma prof jouait un morceau et elle disait « Voilà ce que tu dois faire ». Elle me donnait la partition et elle me disait « Joue ». Alors, je jouais. C'était bien, alors au début, j'avais que des bonnes notes. Et puis un jour, elle m'a eu. Elle a dit, « Bon, alors Justin, c'est à ton tour, tu vas jouer ça. » Elle a joué un morceau et elle m'a donné la partition. Alors j'ai joué. Et elle a dit, « Je t'ai eu, Justin, la partition ne correspond pas à ce que j'ai joué. » Je faisais semblant de lire, en fait. D'accord. Alors je me suis fait avoir. À seulement 12 ans, il participe à un concours de jeunes talents à Stratford. Même si ses concurrents avaient des années de cours de chant et de musique derrière eux, Justin est arrivé deuxième grâce à ses talents d'autodidacte. Fier de sa victoire, Justin a eu envie de partager ce moment avec ses proches. Sa mère a alors commencé à le filmer en train de chanter et a mis les vidéos sur Internet. Tu t'es fait connaître sur Internet ? Oui, exactement. Tout a commencé quand j'ai mis des vidéos sur Internet pour mes amis et ma famille. Ça a fait un carton. J'ai eu 100 visites, puis 1000, et de plus en plus de gens ont visionné mes vidéos. Alors j'en ai rajouté. Justin est un enfant stable, comme je l'espérais, mais il est aussi très talentueux. Il a mis des vidéos sur Internet, et aujourd'hui, au Canada, il est l'artiste qui a la plus grosse cote de popularité sur Internet. D'accord. Et il arrive 20e au niveau mondial, toujours au Canada. On l'a entendu chanter. Oui, il a chanté pour nous dans les loges tout à l'heure. Quelle voix! On n'imagine pas qu'il ait une voix pareille. Oui, et tout le monde reconnaît son talent, même des gens haut placés. Sa famille et ses amis ne sont pas les seuls à être impressionnés. En 2007, sa mère a posté des dizaines de vidéos amateurs sur Internet, sur lesquelles ce jeune artiste aux multiples talents reprenait à merveille des chansons d'artistes comme Usher, Ne-Yo ou Stevie Wonder. Justin a alors comptabilisé plus de 10 millions de visites grâce au bouche à oreille. J'adore Justin! Quand j'ai découvert Justin, il avait presque 13 ans et il avait ce petit truc spécial. Je suis un bon manager, mais pas à ce point-là. Il a réussi à contaminer tout le monde.
Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un professionnel tombe sur les vidéos de Justin. 7 mois après les premières vidéos mises en ligne par Justin, c'est l'ancien directeur marketing d'un label de renom, Scooter Braun, qui a vu le potentiel de Justin. Tous les labels m'ont claqué la porte au nez parce que Justin n'avait pas d'émission à son nom sur une grande chaîne de télévision. Je leur ai dit, mais vous ne comprenez pas, il y a bien mieux que la télévision. Les jeunes passent tout leur temps sur Internet. Braun a essayé plusieurs fois de contacter la famille de Justin. Il m'écrivait, dis à ta mère de me contacter. Il a même appelé mon école pour leur demander, il y a bien un élève qui s'appelle Justin Bieber dans votre école. Il ne laissait pas tomber. Alors, ma mère a décidé de lui parler pour se débarrasser de lui. Mais après, on a compris que c'était quelqu'un de bien. Braun a finalement réussi à convaincre la mère de Justin de venir à Atlanta pour qu'il rencontre ses prestigieux contacts. Au cas où les talents de chanteur de Justin ne suffiraient pas à les impressionner, Braun savait que Justin était aussi un musicien autodidacte. Justin Bieber est ami avec Barack Obama et Usher, et il sait jouer de la guitare. Mais là, il va passer un vrai test. Apparemment, il joue de la batterie, mais moi aussi j'ai joué avec McFly et tout le monde me connaît. Bon, Justin, on va jouer de la batterie. Toi, tu prends la vraie. C'est parti. Toi, tu prends la vraie batterie, et moi je prends le petit jouet. Bon, on va commencer facilement. On va faire un bon vieux roulement. Écoute ça et essaie de faire mieux. À toi, Justin. Ok, c'est bon. C'était facile. Maintenant, on va faire un beat rock classique. T'es prêt? Ouais, ça déchire. À toi. Ça va. On passe au dernier test. C'est le test que tout batteur doit savoir relever. C'est le freestyle. T'es prêt? Tu penses pouvoir faire mieux? C'est pas vrai! C'est bon, j'ai compris. Il est meilleur que moi. Je sors. Bravo, Justin. C'est mon manager Scooter qui m'a découvert sur Internet. Il m'a fait venir à Atlanta. Il m'a présenté à plein de gens. Et j'ai rencontré Usher. Le premier contact que Justin a eu avec Hollywood lui a permis de rencontrer son idole, Usher. Quel est l'artiste que tu admires le plus? Michael Jackson. Je l'admire beaucoup. J'aimerais vraiment... Je cherche pas à l'imiter, mais il a réussi à avoir des fans de tous les âges. Et honnêtement, j'aimerais vraiment arriver à faire la même chose. L'une des vidéos de Justin est d'ailleurs consacrée au tube du roi de la pop. Justin rêvait de connaître la célébrité et de pouvoir montrer à tous son talent. Il s'est donc permis de demander à Usher de lui faire passer une audition dans un parking. Il voulait avoir une chance de percer dans le monde de la musique. Mais Usher n'avait qu'une crainte, que Justin attrape froid. Il est venu au studio avec Scooter. C'était le studio de... De Jermaine. Ouais, c'était le studio de Jermaine. Et il m'a dit, je chante tes chansons, tu veux m'écouter chanter? Je lui ai dit, viens à l'intérieur, il fait froid dehors. Il envoyait tous les jours des gens qui voulaient chanter devant lui. Vous saviez qui il était? Non. À ce moment-là? Non. D'accord. Justin, Scooter t'a dit, on a rendez-vous avec Usher? Non, pour être honnête, c'était un peu bizarre. Pourquoi? Je me disais qu'il avait rendez-vous avec Jermaine, donc je ne voulais pas me mêler de leurs affaires. Je te l'ai jamais dit, ça. Mais il a tellement insisté. Comment il vous a abordé? Vous êtes arrivé en voiture et vous avez entendu Scooter dire à Justin, allez, vas-y. Comment ça s'est passé? Non, j'entrais dans le parking. Enfin, j'entrais dans le parking et il en sortait. D'accord. Il voulait me chanter quelque chose, alors je lui ai dit, ok, je vais t'écouter, mais viens à l'intérieur, il fait froid. J'étais en retard pour une séance, alors je lui ai juste dit, bravo petit, c'était bien. Et Scooter et moi, on a rapidement parlé. Je lui ai dit que je voulais qu'on prenne un vrai rendez-vous plus tard pour que je puisse me faire une meilleure opinion. Mais il a dit, c'est un vrai rendez-vous? Oui, il a dit, si ça doit arriver, on se reverra. Et heureusement, on s'est revus. Il m'a fait venir à Atlanta pour que je chante une nouvelle fois pour lui. D'ailleurs, la vidéo est sur Internet et elle a été vue 1 million de fois. Il n'a pas fallu longtemps à Usher pour réaliser qu'il était en présence d'une future grande star.
Il a immédiatement proposé un contrat à Justin pour écarter son rival, Justin Timberlake. Justin Timberlake et Usher se sont un peu battus pour avoir Justin. C'est vrai? On a signé avec le label et on déménage aux États-Unis la semaine prochaine. C'est une étape décisive pour Justin. C'est une aventure qui commence et il a de grands projets. J'ai eu une discussion très sérieuse avec Scooter concernant l'avenir de Justin et je lui ai promis de m'investir à 100% dans ce projet. La découverte de Justin a été providentielle pour moi. J'avais vraiment envie de travailler avec lui. C'était évident. Et je me suis dit que j'étais tout à fait capable de faire de lui l'artiste qu'il est devenu aujourd'hui. J'ai une question. T'as signé un contrat avec Usher, tout le monde le sait. Mais je viens d'apprendre que Justin Timberlake voulait aussi te proposer un contrat. Ce n'est pas une décision facile. Usher, Justin Timberlake, comment t'as fait? Alors en fait, tout s'est passé à Las Vegas. Il y avait Justin Timberlake dans le coin rouge. Et Usher dans le coin bleu. Et disons qu'il y a eu victoire par KO. D'accord. Usher a gagné. Waouh ! Tu veux dire que l'offre d'Usher était plus intéressante ou tu plaisantes ? Non. Il y a eu KO. Comment ça va ce soir? Usher explique que Justin et lui ont signé leur premier contrat au même âge. Usher a connu un succès grandissant, alors que pour Justin, c'est arrivé d'un coup. Je pense que le parcours de Justin, enfin j'espère, que son parcours montre qu'on a tous travaillé dur pour amorcer sa carrière. J'espère qu'elle va continuer sur cette belle lancée. Par conséquent, Usher, Brown, le garde du corps de Justin, Kenny et d'autres adultes entourent constamment Justin pour lui apprendre à gérer à la fois sa célébrité et son image. Après avoir signé son contrat avec Justin, Usher a embauché Ryan Good comme directeur de tournée et comme styliste. Good, surnommé le coach Bling Bling, a voulu donner au chanteur un look urbain avec des casquettes de baseball, des sweats, des chaînes en argent et des baskets flashées. Combien de temps ça te prend pour avoir une si belle coiffure? Environ 5 minutes. C'est rapide. Et tu mets du gel? Non, j'en mets pas. D'accord. Tu les brosses? Non. C'est vrai? Comment tu fais? Tu les secoues? Oui. Ton fameux mouvement de tête. Justin a travaillé dur. Il a ainsi rapidement pu sortir son premier single, One Time. One Time est exactement le titre qu'il lui fallait pour entrer en tête des classements de plus de 30 pays. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission un peu spéciale. Ce garçon est une star sur Internet. Il a plus de fans que je n'ai d'amis, c'est-à-dire un bon million. Et il compte parmi ses amis la star du R&B Usher. Aujourd'hui, c'est son tout premier passage en Grande-Bretagne. C'est un événement à ne pas rater. Il vous offre une version acoustique de son single One Time. Applaudissez la star du moment, Justin Bieber. Met you, girl, my heart went knock knock. Now them butterflies in my stomach won't stop, stop. Even though it's a struggle, love is all we got. So we gon' keep climbing till the mountaintop. Your world is my world, and my fight is your fight. And my breath is your breath when you're hurt. 'Cause girl, you're my one love, my one heart, my one life. Sure, let me tell you one time. I'ma tell you one time.
so deep. You know that it humbles me. You're by my side in troubles and that trouble me. Many have called, but the chosen is you. Whatever you want, shawty, I give it to you. Your world is my world, and my fight is your fight. And my breath is your breath, and your hurt is, girl, you're my one love, my one heart, my one life. For sure, let me tell you one time, I'ma tell you one time. Shawty right there, she's got everything I need. And I'ma tell her one time, one time. Give you everything you need. Down to my last dime, she makes me happy. I know where I'll be, right by your side. Cause she is the one for me. Yeah, yeah, yeah. Girl, I love you. Girl, I love you. I'm gonna be your one guy, my number one girl. C'est grâce à sa voix que Justin se démarque des autres chanteurs de son âge. Sa musique et les paroles de ses chansons dévoilent également une maturité assez rare chez un jeune homme qui vient à peine d'avoir 16 ans. Justin, comment tu définirais ton style musical ? C'est un mélange de R&B et de pop. Ça sonne bien. Ouais. T'es entré dans le monde de la musique de façon assez originale. Tes parents t'ont filmé et ils ont mis les vidéos sur Internet. Ouais. T'avais quel âge ? J'avais environ 12 ans. Je venais de participer à un concours de chant, comme ça, pour m'amuser. Ma mère a mis des vidéos en ligne et ensuite, les choses ont rapidement pris de l'ampleur. Tout le monde les a vues. Bien joué. Merci. Bon, Justin, j'ai entendu dire que tu étais ami avec des gens très célèbres, comme par exemple le président des États-Unis. Comment ça se fait ? Alors, en fait, j'ai eu l'honneur de venir chanter devant lui et sa femme. J'ai eu beaucoup de chance et puis... voilà. Super, il est tout ému. Justin a signé son contrat avec un label de grande renommée. En un an seulement, le phénomène Bieber se répand comme une traînée de poudre dans le circuit médiatique. Très rapidement, il multiplie les plateaux de télévision pour faire la promotion de son tout premier album, My World. Mon album vient de sortir en Grande-Bretagne, je suis content. Tu vas faire une tournée ? Ouais, je vais faire une tournée aux États-Unis et au Canada et j'espère revenir en Grande-Bretagne pour une série de concerts. My World est une immersion dans l'intimité d'un adolescent talentueux qui commence à s'épanouir. Avec d'excellents producteurs comme Sean Kingston, The Dream ou Tricky Stewart, qui sont à l'origine du tube de Rihanna, Umbrella, ou encore du dernier tube de Beyoncé, Single Ladies, Justin avait toutes les chances d'atteindre le sommet des classements. Yeah.
retrouve Justin tout juste sorti de scène, ça va? Ouais, mais j'ai chaud. Vos fans vous adorent. Merci beaucoup. C'est le grand amour. Ça doit être fantastique de monter sur scène et d'avoir un accueil pareil. Oui, je suis heureux que ce soit aussi intense. Mes fans sont super. Je leur ai donné tout ce que j'avais. C'est la première fois que tu chantes ici? Oui. Comment ça se passe? C'est incroyable. Le public est génial et il y a une superbe énergie. Je veux revenir l'année prochaine. Je suis la première DJ à avoir passé ta chanson à la radio ici. Merci. Je suis contente de te rencontrer. Merci beaucoup. À la radio, on reçoit énormément de SMS de fans qui n'ont Dieu que pour toi. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de fans dans le monde? C'est de la folie partout où tu passes. Je suis heureux de pouvoir parcourir le monde, de faire ce que j'aime et d'être aussi bien accueilli. C'est formidable. Ok, bonne chance pour la suite des concerts. Merci. Amuse-toi bien. Merci. Merci à toi. Justin sait maintenant qu'être disque de platine a ses avantages. Les gens du milieu reconnaissent son talent. Il n'a que 16 ans, mais il s'impose déjà en star internationale de la pop. Le nouvel album de Justin Bieber, My World 2.0, ne sort que mardi prochain. Et il a déjà été commandé par plus d'un million de fans rien qu'aux États-Unis. Les artistes ont de l'estime pour lui. Il est devenu aussi célèbre qu'un Beatles. Justin est un chanteur incroyable. Tout le monde est obsédé par Justin Bieber. Et les avantages qu'apportent la célébrité et le succès sont nombreux. Vous êtes reçu en VIP partout dans le monde. Et on vous offre les meilleures places pour tous les matchs. Justin aime bien s'amuser et il n'hésite pas à jouer les coquins le temps d'une émission de télévision. Alors que beaucoup seraient impressionnés par la célébrité et le fait de côtoyer des stars d'Hollywood, Justin est comme un poisson dans l'eau. C'est bon! Il arrive cependant que Justin soit euphorique à l'idée de rencontrer certaines de ses idoles. C'est Taye Diggs là-bas. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est lui! Il est craquant. Les filles l'adorent. Mais n'oublions pas que Justin Bieber est un jeune homme qui ne fait pas particulièrement attention à l'amour que lui portent ses groupies. Et pourtant, elles sont nombreuses à avoir un faible pour lui. Aujourd'hui, pour beaucoup, il est devenu une vraie idole. Quantité d'adolescentes se réunissent pour voir la superstar, aussi bien sur le tapis rouge qu'à ses concerts. Nous avons reçu énormément d'emails et de SMS de fans. Chloé veut se marier avec toi. Sophie se demande si tu as une copine. Anna dit qu'elle t'aime. Elle t'aime toutes, on dirait. Lorraine demande à quel âge tu as commencé à jouer de la guitare. Elle a sûrement envie de se marier avec toi, elle aussi. En réalité, certaines filles sont tellement fans de Justin qu'elles ont composé une chanson en l'honneur de leur idole. Même la star d'Hollywood Kim Kardashian reconnaît le charme irrésistible de Justin. Il est craquant et il est tout jeune. Je l'ai rencontré à l'occasion d'un dîner à la Maison Blanche. Je crois qu'un jour, il a dit dans une interview qu'il avait un petit faible pour moi. Alors je l'ai un peu dragué en lui disant « Tu es trop mignon ». Ce genre de compliment ne laisse pas Justin insensible. Lui qui craque sur plusieurs chanteuses et stars d'Hollywood. Qui n'apprécie pas Justin Bieber? C'est impossible! Je le trouve formidable. Je l'appréciais déjà à ses débuts. Je le trouve génial. J'adore les filles. Il s'est promené sur la plage avec Kim Kardashian. Il a emmené Rihanna manger des sushis. Et il a un petit faible pour Beyoncé. J'ai rencontré Beyoncé il n'y a pas très longtemps. C'était super. Tu n'étais pas trop intimidée? Tu as pu lui parler? J'étais un peu nerveux, mais j'ai réussi à lui dire « Tu es très belle ». Tu peux lui chanter la sérénade au cas où elle nous regarde? D'accord. Non, je plaisante. Justin est même prêt à traverser l'Atlantique pour voir son coup de cœur anglais. Il s'agit de l'animatrice de télévision Cheryl Cole.
Tu aimes bien Cheryl? Ouais, elle est canon. Et sexy? Ouais, carrément. Elle a un beau corps. Ouais. Elle t'a appelé? Non. Non, pas encore? Vous avez échangé vos numéros? Non. Non? Tu peux peut-être essayer d'avoir son email? Ça devrait pouvoir se faire. Tu devrais essayer. Ok. Si quelqu'un peut le faire, c'est toi, Justin. Je crois en toi. Cependant, les adolescentes et les jeunes stars ne sont pas les seules à trouver que Justin est à la fois talentueux et craquant. Jason Dips. Merci, mademoiselle. J'ai eu 10 sur 20? C'est pas si mal. La physique, c'est pas mon truc. Tu as fait des progrès. Ça a dû être fatigant de corriger nos devoirs. J'espère que vous n'y avez pas passé la soirée. Je retourne étudier. Regardez-le. Avec lui, j'ai l'impression d'être une bonne enseignante. Et son sourire me fait le même effet qu'un lapro qui renifle une petite fleur. Si j'avais un chouchou parmi mes élèves, ce serait lui, c'est sûr. Toutes classes confondues. C'est peut-être même une des meilleures personnes que je connaisse. Un vrai chou à la crème. Lonely lady with the big brown eyes. I'm thinking you're sadder than you realize. I could make you smile and feel a little more related. We just really click. Would it be so wrong if we just did it? Let's go. Jump on my skates, we'll eat some cake along the lake. Do all your favorite stuff right off the cuff, cause we're spontaneous. Hop a bus to shop, we'll check out filings. Get chunky jewelry at Chico's. I'll buy you a panini and some Spanx to make you teeny. I'm a lady with the big brown eyes. Really. J'adore les filles. Ça s'arrêtera quand t'auras 80 ans. Non, je les adorerai toujours. Tu n'en as pas marre de toutes ces filles qui te courent après? Vous savez, j'ai 15 ans et j'adore les filles. Ça me pose pas vraiment de problème. À un certain point, l'engouement pour Justin Bieber a été tel que des mesures radicales ont dû être prises pour protéger ses fans. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, nous étions censés nous rendre à Circular Quay pour assister au concert de la star de la pop, Justin Bieber. Mais il se trouve que la police est intervenue et a décidé de tout annuler pour des raisons de sécurité. Les fans ont commencé à arriver pendant la nuit. Certains sont même là depuis hier matin. Par conséquent, à 3h du matin, plus personne ne pouvait entrer. Oui, les policiers tiennent à assurer la sécurité des fans. Ils ont donc annoncé que le concert n'aurait pas lieu. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de jeunes adolescentes. Et leur sécurité doit passer avant tout. Le producteur exécutif de l'événement, Adam Boland, a fait une annonce dans laquelle il disait « Nous regrettons que le concert de Justin Bieber soit annulé par la police, mais la sécurité des spectateurs est notre priorité. Beaucoup trop de jeunes fans ont ignoré les règles de sécurité qui ont été données. Nous n'avons pas eu d'autre choix. Nous sommes désolés pour celles et ceux qui ont tout fait pour se rendre au concert, mais apparemment, plusieurs jeunes filles se sont retrouvées dans l'incapacité de bouger. Des ambulanciers ont dû les hisser au-dessus des barrières et leur porter assistance. Les organisateurs ne veulent pas laisser le concert prendre cette tournure. Non. Nous sommes désolés de cette nouvelle pour les fans. On vous tient au courant rapidement. Greg Dinier est dans la foule. Comment ça va pour vous? Eh bien, Brett, je suis heureux d'annoncer que Justin va sans doute pouvoir chanter. Il n'y a pas encore eu d'annonce officielle, donc je vais bientôt leur annoncer ça. Bonjour tout le monde! Comment ça va? Les policiers ne me quittent pas des yeux. Je ne suis pas très populaire, on dirait. Je n'entends plus rien. I smile, and whenever you smile, I smile. Oh, you know you love me, I know you care, you shout whenever
we'll never, ever, ever be apart. Are we an item? Girl, quit playing. We're just friends. What are you saying? Said there's another and look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time. And I was like, baby, 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 no. I'm like, baby, 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 no. Like, baby, 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 no. I thought you'd always be mine, mine. Baby, 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 oh. I'm like, baby, 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 no. I'm like, baby, 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 oh. I thought you'd always be mine. Oh, oh, for you, I would have done whatever. And I just can't believe we ain't together. And I gotta play it cool, but I'm losing you. I'll buy you anything, I'll buy you any ring, cause I'm in pieces. Baby, fix me, and just shake me till you wake me from this bad dream. I'm going down, 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 and I just can't, won't be around. And I'm like, baby, 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 no. I'm like, baby, no. I thought you'd always be mine. Tout le monde ensemble. She had me going crazy, oh, I was starstruck. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She made my heart pound. I skip a beat when I see her in the street, and that's cool on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she's got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying. Allez Sydney. Merci Sydney. Les adolescentes ne sont pas les seules à idolâtrer Justin Bieber. Beaucoup de professionnels de la musique, d'artistes et de célébrités reconnaissent eux aussi le talent particulier de Justin. Il a une voix fantastique, il a énormément de charme et il a un flow incroyable. C'est quelqu'un de très charismatique. Qu'est-ce que ça fait d'être le mec le plus mignon du moment ? Je sais pas, c'est spécial. Il a tellement de succès. Je me souviens d'une fois, il était dans les loges juste à côté de moi. Il y avait un rideau qui nous séparait. Il a chanté et j'ai cru que c'était la radio. Quand j'ai tiré le rideau, j'ai réalisé que c'était lui qui chantait. Je lui ai dit que je le trouvais incroyable. C'est formidable de voir le succès qu'il a. Je connais Justin depuis qu'il a environ 12 ans. Je l'ai rencontré il y a 3 ans et on est amis maintenant. Je l'adore. Il travaille dur et je suis très content pour lui qu'il rencontre un succès aussi phénoménal. Vous travaillez sur la tournée de Justin Bieber. J'ai cru comprendre que vous aviez enregistré un album tous les deux. Vous pouvez m'en parler ? Ouais, Justin et moi, on travaille ensemble. On a décidé d'enregistrer 9 ou 10 chansons en duo. Ça va être vraiment génial. Je suis content. She can't decide. She keeps on looking from left to right. Girl, come a bit closer. Look in my eyes. Searching is so wrong. You seem like the type to love them and leave them and disappear right after the song. J'ai entendu dire que vous aviez roulé dans une voiture de luxe. Ouais, une décapotable. Tout le monde pensait que c'était sa voiture, mais c'est la vôtre. Ouais, elle est à moi. J'en étais sûr. Mais il a pris le volant et on s'est baladé dans Los Angeles avec. C'était super, on s'est bien amusé, on s'est bien marré. Travailler d'arrache-pied est forcément payant. Mais tout le monde a besoin d'un peu de temps libre.
Par exemple, faire une balade en voiture de luxe et s'acheter des glaces. Ou encore se détendre en apprenant aux autres à jouer au billard. Aujourd'hui, Justin Bieber va nous donner une petite leçon de billard. Ouais, vous allez voir. On commence par la casse. D'accord. C'est bon. À peu près là. Pas mal. Participer à la journée de lancement d'un jeu vidéo est une autre bonne façon de se détendre pendant quelques heures. D'ailleurs, on peut se demander si les fans étaient là pour le jeu ou pour la star. Justin aime qu'on s'intéresse à lui, mais il reste le même et garde la tête sur les épaules. Qu'est-ce que tu fais quand une de tes fans se met à hurler en te voyant? Qu'est-ce que tu fais pour lui faire plaisir? J'imagine que je vois Beyoncé, parce que je l'adore. J'essaie d'imaginer ce qu'elle devrait dire pour que je sois content. J'aimerais qu'elle me dise « Salut mon cœur !» et j'aurais envie qu'elle me serre dans ses bras. Alors, j'essaie de faire ça avec mes fans. Je fais ce qu'elles attendent de moi. Tu es en plein rêve. Beaucoup de jeunes aimeraient avoir une vie comme la tienne. Tu ne penses pas? Je sais que c'est le rêve de beaucoup d'enfants et j'ai vraiment de la chance que ça m'arrive à moi. Mais est-ce que c'est vraiment un rêve de vivre ça? C'est aussi fantastique que ce que tout le monde pense? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus? De voyager partout dans le monde. Je visite tellement d'endroits différents. C'est vraiment ce que j'adore le plus. Même si la vie de Justin lui apporte beaucoup de bonheur, tous les adolescents se trouvent parfois confrontés à des difficultés. Quelle est la pire chose qu'il ait faite? Oh mon Dieu! Vous me laissez une heure? Si vous voulez. La pire chose qu'il ait faite... Il va me tuer. Une nuit, il s'est éclipsé de la maison pour aller faire du vélo avec un copain à 2h du matin et il s'est fait raccompagner chez nous par la police. À ce moment-là, il ne disait plus rien. Je pense qu'il a eu tellement peur qu'il n'a plus eu envie de le refaire. Sa mère, Patty, a très bien élevé Justin et lui a apporté une solide éducation religieuse. Nous vous remercions, mon Dieu, pour cette journée et nous vous demandons de bénir toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. Et elle sait agir en conséquence quand Justin dérape. L'autre jour, ma mère a annulé mon forfait. C'est pas vrai. Si, si. Tu avais fait quoi? Je crois qu'on s'était juste disputé à propos d'un petit truc sans importance. Elle m'a dit « Donne-moi ton téléphone ». Je lui ai dit non, alors elle a annulé mon forfait. Et si Usher avait eu besoin de t'appeler, comment tu aurais fait? Bah... Ce n'est pas cool. Non. Même s'il est puni de temps en temps, Justin apprécie tout ce que sa mère a fait pour lui. Ma mère est toujours là pour moi et je la laisserai jamais tomber. Comment ça se passe entre vous? Très bien, j'ai la meilleure maman du monde. You.
my means now. With you, there's no in between. 'Cause my cards are on the table, and I'm willing, and I'm able. But I fold to you, it's 'cause it's my command. You smile, I smile. Whoa, 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 whoa. You smile, I smile. I smile, I smile, I smile. You smile, I smile. Whoa, 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 whoa. You smile, I smile. And whenever you smile, I smile. And whenever Tina smiles, I smile. Merci. Même si la star de la pop a la tête dans les étoiles, il a décidé de consacrer du temps à aider les autres. À l'âge de 16 ans, Justin a participé à un événement caritatif organisé par son ami et mentor Usher à Atlanta. Heureux de pouvoir aider Usher et sa fondation New Look, Justin comprend l'importance de donner de son temps à la société. Justin, dis-moi, qu'est-ce que ça te fait de participer à un événement caritatif à ton âge ? C'est super. Il n'y a pas d'autre mot. Il est récemment allé en Grande-Bretagne et a apporté son soutien à l'hôpital de Great Ormond Street en rendant visite à des enfants malades qui avaient grand besoin de ses encouragements. Ça montre bien qui est Justin. Il donne beaucoup de son temps à la communauté et il ne cherche pas à attirer l'attention sur lui. Je pense que c'est ce qui le rend si spécial. Justin préférait sans doute être en répétition. C'est nous qui lui avons demandé de venir ici pour nous parler de ses actions. En mars 2010, Justin a rejoint un grand nombre de célébrités pour le 25e anniversaire de la chanson caritative « We Are The World ». Intégrer ce cercle d'artistes avec Tony Bennett et Josh Groban était non seulement pour lui l'occasion de mettre son talent au profit d'une bonne cause, mais aussi un honneur et une récompense. C'est important de s'impliquer. Il n'y a rien de mieux. Les associations pour lesquelles Justin se bat lui en sont très reconnaissantes. C'est vrai que la majorité des adolescents passent leur temps libre à aller au cinéma ou à se détendre. En montrant un tel exemple aux jeunes, Justin s'est attiré les éloges de tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Je suis jeune et c'est important pour moi d'aider d'autres enfants. Si tant de gens aiment Justin Bieber, c'est notamment grâce à tout le soutien qu'il apporte aux enfants du monde entier. Il va régulièrement dans des hôpitaux pour rendre visite à des enfants malades. Je ne sais pas si vous le savez, mais une partie des bénéfices des concerts de Justin est versée à une association qui participe à la construction d'écoles dans différents pays du tiers-monde. Voilà qui est Justin Bieber. Quand on l'a appelé, il a immédiatement dit « Comment je peux aider ?» Et aujourd'hui, il est là pour présenter le bus Justin Bieber. Dehors, il y a un bus et nous avons demandé à tous les enfants qui viennent au concert de Justin ce soir d'apporter un jouet neuf. Et ils l'ont fait. Le bus est presque plein. J'ai parlé de ce projet à la radio pendant 3 ou 4 semaines et j'ai reçu quelques rares emails. Justin en a parlé sur Internet hier et tout à coup, tout le monde a couru dans les magasins et j'ai reçu des tonnes d'emails de participants. Le bus se remplit à vue d'œil. Et maintenant, tous les enfants de l'hôpital d'Ashowa vont avoir un cadeau grâce à Justin Bieber. On tient à te remercier pour tout. Merci beaucoup. Je tiens à remercier toute votre équipe pour avoir organisé cette opération. C'est incroyable ce qu'on a réussi à faire tous ensemble et je suis vraiment heureux d'avoir participé. February 14th, February. Now one of them's spent with you. How many promises?
Ses activités caritatives et ses déplacements font vivre Justin à 100 à l'heure. Et il semble que tout ce qu'il entreprend soit couronné de succès. Justin vient de sortir une autobiographie qui relate les 16 premières années de sa vie. Et c'est déjà un best-seller. Mon histoire, de mon premier pas vers l'éternité, s'est immédiatement placée à la première place des livres les plus vendus aux États-Unis. Et y est restée pendant 5 semaines consécutives. La promotion du livre a été une occasion rêvée pour ses fans qui ont fait la queue devant les librairies du monde entier juste pour apercevoir leur idole pendant la séance d'autographe. J'avais jamais eu l'occasion de raconter aux gens mon histoire. J'en ai parlé en interview et les journalistes ont écrit des articles sur moi. Mais j'ai rien raconté moi-même. Là, j'ai pu mettre sur le papier toutes mes pensées et j'ai pu dire aux gens, je sais pas, un peu tout ce que je ressentais. Je suis content. Le public a fait une ovation à Justin. C'est donc sans surprise qu'Hollywood s'est mis à s'intéresser au jeune artiste. Jaden Smith, le fils de l'acteur Will Smith, a demandé à Justin d'enregistrer avec lui la bande originale de son nouveau film, Karate Kid. Le film raconte l'histoire d'un garçon qui vit seul avec sa mère et qui se bat pour surmonter ses obstacles et pour atteindre ses objectifs. Justin se reconnaît dans ce portrait. Et il est bien d'accord avec le titre de la chanson « Never, c'est never », il ne faut jamais dire jamais. Justin Bieber et moi, on est bons amis maintenant. On s'appelle souvent et on aime bien se voir et rigoler ensemble. Et si on veut aller voir un film au cinéma tous les deux, on fait fermer la salle. D'autres propositions de rôle ont rapidement été faites à Justin. Notamment une apparition dans l'émission américaine « Saturday Night Live ». Je t'ai vue toute seule au cinéma hier. Oh, t'aurais pu dire bonjour. Je voulais le faire, mais tu pleurais tellement pendant les bandes-annonces que j'ai pas voulu te déranger. Des ados voulaient mettre la vidéo sur Internet, mais Jason leur a dit non. Merci, Jason. Il est tellement gentil, ce Jason. Et j'adore la façon dont ses cheveux ont l'air de savoir où ils vont. Ils vont de l'avant, comme lui. Je me demande pourquoi il est si gentil avec moi. C'est comme s'il flirtait avec moi. C'est ridicule, Sharon. Qu'est-ce qu'il ferait avec une vieille femme comme toi? Je n'ai rien à lui apporter. You got the mother load. You got the stuff I like. Every time I'm with you, babe, I just get psyched. Ce que je ressens, c'est mal. Moralement, éthiquement et biologiquement. Mais regardez-le, c'est un petit lutin de Noël. Je n'aurais pas dû mettre de vin dans mes céréales ce matin. Il n'y avait plus de lait, ok, mais j'aurais dû faire avec. Je ne sais pas si je veux me marier avec lui ou le mettre dans une poussette. Et pourquoi pas les deux? Put me in an outfit from the Gap like that. One that matches with the jacket and the cap like that. Then slap me in the stroller with a bounce like that. With a bottle full of milk that's 40 ounce like that. I'm your baby lady. I wanna push you in the buggy. I'm your baby lady. Nothing normal like a snuggie. You're my baby lady. And I'm your lady baby. It's time to roll, let's go to the park. Yeah, Jason's my baby. Yeah, Jason's my... Wow! Wow! Ouais, c'était pas terrible. Non, je suis désolée, Jason. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste que je suis seule et que j'aimerais te donner un bain. Je vais contacter mon avocate. Je suis désolée. Les producteurs de séries comme les experts Las Vegas lui ont également proposé d'apparaître en guest star. Bonjour à tous les fans de Justin Bieber. La star de la pop s'impose aujourd'hui comme un bon acteur grâce à son rôle dans Les Experts. Il a fait ses débuts dans la série criminelle à succès et la majorité des téléspectateurs ont trouvé qu'il s'était très bien débrouillé. Lui, qui est d'un naturel joyeux, il interprète à la perfection le rôle d'un adolescent sombre et instable. Les téléspectateurs ont trouvé que Justin avait particulièrement bien joué les scènes les plus sombres. Est-ce qu'on a proposé à Justin de travailler à la télévision? Ouais. Ouais, on a eu des propositions. Ah oui, c'est quelque chose que vous approuveriez.
Je pense que la télévision est quelque chose que Justin doit essayer s'il veut être un artiste accompli. Il va sans doute être amené à travailler sur différentes chaînes de télévision américaines et canadiennes, mais c'est bien. Comme il a été découvert sur Internet, Justin continue à utiliser ce média, non seulement comme outil de promotion, mais aussi pour rester en contact avec tous ses fans. Plus de 6 millions de personnes suivent ton quotidien sur des réseaux sociaux. C'est énorme. Ouais. Lady Gaga en compte 1 million de plus que toi. Vous êtes en compétition ? Non, pas du tout, mais si je la dépasse, je dis pas non. Tu aimerais bien. Ce qui devrait être le cas. Savez-vous que Justin Bieber et ses millions de fans utilisent 3% de l'ensemble des serveurs d'un de ses fameux réseaux sociaux 24 heures sur 24 ? Plusieurs serveurs lui sont entièrement dédiés. Il faut dire que Justin Bieber figure en permanence parmi les personnalités les plus suivies sur Internet. Chaque fois que Justin intervient en ligne, ses messages sont envoyés à plus de 5 millions de personnes qui les commentent sans fin. Apparemment, son compte reçoit plus de 60 réponses par seconde. Même si les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour la communication de masse, Justin Bieber est très heureux d'y avoir le soutien de tous ses fans. Merci les filles. Un autographe. Ce n'est pas tous les jours qu'un adolescent monopolise l'attention sur Internet et attire avec ses vidéos plus d'internautes que des artistes comme Lady Gaga. Être un artiste, ce n'est pas faire un seul album qui marche, ou un single qui cartonne, ou avoir des millions de gens qui lisent tout à votre sujet sur Internet. Être un artiste, c'est trouver sa place dans un domaine et réussir à s'exprimer artistiquement auprès des fans. Et puis, il faut aussi faire de la bonne musique et mettre de côté certains moments difficiles de la vie. J'ai tout de suite vu qu'il avait du talent. Il savait déjà chanter et faire de la musique. À son âge, savoir jouer de la guitare, du piano, de la basse et de la batterie, c'est incroyable. Je me suis dit, ce gosse a vraiment du talent. J'aimerais m'impliquer et jouer un rôle dans son évolution en tant qu'artiste. Qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de succès? Est-ce que c'est vrai que toutes les chansons de votre album figurent dans le top 100 américain? Ouais. Je sais pas, c'est hallucinant. Venir d'une petite ville du Canada et avoir la chance de vivre ça, c'est génial. Avec l'incroyable tournée mondiale de Justin, des célèbres studios de cinéma se sont dit que la meilleure façon d'illustrer ce phénomène était de faire passer la star sur le grand écran. Never Say Never contient tout ce qu'un fan de Justin Bieber veut savoir et en 3D. Mon film en 3D sort très bientôt. Il s'appelle Never Say Never, Ne Jamais Dire Jamais. Je pensais pas faire une chose pareille dans ma vie. C'est super. En gros, le film retrace mon parcours de mon enfance à aujourd'hui. Réalisé par John Chu, le réalisateur de Sexy Dance 3, le film montre comment Justin est passé d'une enfance modeste au statut de star. Justin ! Justin ! Pose avec la petite fille ! Une petite photo ! Justin, juste une avec la petite fille ! Justin ! John Chu ! Salut Chris, ça va ? Je veux voir Justin ! Ça va pas être facile. Je suis ici avec Justin Bieber pour présenter son film en 3D. Je suis très content. J'essaie de le suivre dans la foule, mais c'est de la folie ici. Justin Bieber est la star du moment. Qu'est-ce que ça vous fait de travailler avec lui? C'est incroyable d'être dans l'œil du cyclone Justin Bieber, c'est marrant. J'adore la musique et la danse et j'adore raconter des histoires. Alors, le mélange des trois, c'est super. Et si en plus c'est en 3D, c'est le pied. D'accord. Pour Halloween, où est-ce qu'on pourra vous voir avec Justin? On peut rien dire, c'est un secret. Il va falloir nous trouver. Pour Justin, tourner un film a été un moment important de sa carrière. Et la 3D l'a particulièrement intéressé. Alors Justin, explique-moi pour la 3D. Comment ça s'est passé? J'imagine que la caméra te suivait partout où tu allais, mais est-ce que tu devais porter des t-shirts spéciaux pour être en 3D à l'écran? Comment ça marche? Non, alors la 3D fonctionne toujours avec deux caméras. Et en fait, ces deux caméras, elles représentent vos yeux. Ouais. Et le rendu apparaît en 3D parce que les deux caméras sont mises l'une à côté de l'autre. D'accord. C'est le principe de la 3D. Le succès n'arrive jamais sans son lot d'obstacles et rien n'est jamais acquis. En juillet 2010, Justin Bieber s'est rendu à New York pour enregistrer son deuxième album. À cette période, Justin était en pleine puberté. Sa voix est devenue plus grave et la différence était flagrante. Sa voix n'était plus la même qu'au moment d'enregistrer son premier album. Ses producteurs ont craint que Justin ne soit plus capable de chanter les notes aiguës. Plutôt que de se cacher derrière ses agents,
Justin a choisi d'aborder le sujet ouvertement et a déclaré « Ma voix mue comme celle de tous les adolescents de mon âge. Je fais avec. » Cependant, grâce aux meilleurs coachs vocaux du monde, comme Ian Smith ou encore le chanteur et parolier anglais Tayo Cruz, le nouvel album de Justin fait déjà un carton. My World 2.0 met en avant les capacités vocales de Justin, puisque l'album entier est enregistré en acoustique. Your world is my world.
Figurer parmi les meilleures ventes de CD et de livres et avoir quantité de fans ne signifie pas pour autant qu'on a gagné l'estime des gens du métier. Mais Justin suscite le respect de tous et a gagné des récompenses qui le prouvent. Il a notamment battu son mentor Usher aux Music Awards américains. Mais les deux stars ne sont pas en compétition. Usher ne pourrait pas être plus fier de son petit protégé. Wow, je suis heureux de voir Justin recevoir cette récompense. Je l'ai déjà reçue et je suis bien placé pour savoir que c'est quelque chose qui vous fait exploser de joie. J'étais très ému. Je pleure pas très souvent, mais là, oui. J'ai appris en pleine nuit, à 3h30 du matin, que j'étais nominé pour deux Grammy Awards. C'est énorme, vraiment. Allez, tout le monde en applaudit. Justin Bieber. Merci. Deux nominations? Ouais. Ça doit être incroyable. Tu as ressenti quoi? C'est génial, je suis vraiment content. Hier soir, j'ai commencé à avoir un peu peur, mais c'est super. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir un Grammy Award. Alors maintenant que c'est possible, je suis aux anges. Tu penses gagner? Ouais, peut-être. Oui? Ouais. Tu le sens bien? Ne jamais dire jamais. Comme si ces deux récompenses prestigieuses ne suffisaient pas à montrer la place de Justin Bieber dans le monde de la musique, ses chansons sont maintenant reprises par des artistes comme Eliza Doolittle. Avec un emploi du temps très chargé et un nombre incalculable d'interviews pour promouvoir son nouvel album et son livre, Justin n'a pas eu beaucoup de temps pour dormir, et encore moins pour profiter de sa jeunesse. Alors, une question s'impose. Est-ce que Justin Bieber a des regrets? On dit souvent que Justin est arrivé au sommet très rapidement et il a déclaré plusieurs fois qu'il lui arrivait de vouloir vivre une vie plus normale par moment. Comment ça se passe pendant les tournées? Il y a des moments un peu plus calmes? Oui, on arrive à avoir une vie normale. Quand tout le monde se déchaîne sur votre passage, par moment, on a envie d'une vie plus ordinaire. Je dis ça, mais on fait plein de choses complètement ordinaires. Ouais. On fait du kart, du bowling. Super. Et plein d'autres choses. Tu vas te balader? Ouais. Tu dois te déguiser? Non. Tu essaies juste de passer inaperçu? Ouais. Tu es toujours avec tes gardes du corps ou est-ce que tu es tout seul parfois? Non, ils sont toujours là. Ok, d'accord. Sauf quand je vais aux toilettes. Je l'aurais deviné. Est-ce que par moment tu en as marre de ne pas vivre une vie d'adolescent normale? Eh ben... Tout a changé pour toi. Ouais, mais j'ai des activités normales. Avec tes gorilles autour de toi? Ouais. Ok. Justin aimerait pouvoir étudier à l'université un jour. Sa mère et son manager tiennent absolument à ce que, comme n'importe quel enfant, ils reçoivent un bon enseignement. Tu étudies? Ouais, bien sûr. J'ai une professeure qui voyage avec moi sur la route. Elle m'accompagne partout et on travaille au minimum 3 heures par jour. Vraiment? Ouais. Donc après l'émission, quand tu voudras faire autre chose, elle va te dire « Allez Justin, aujourd'hui on va faire des maths ». Ouais. C'est vrai? Ouais. J'étudie toujours pendant les tournées. C'est une priorité pour ma mère, elle y tient beaucoup. Et pour moi aussi c'est important. C'est un bon élève? Oui, excellent. Vraiment? Il est doué. Super. Tu l'as payé pour dire ça? Mais non. Maman, c'est un bon élève? Ce n'est pas moi la prof. D'accord. C'est moi le chef aujourd'hui? Ouais. Je dois passer des coups de fil parce qu'Internet marche pas. C'est nul. Ouais. Il faudrait qu'on le répare aujourd'hui. Ok. C'est possible, tu penses? Let's get
C'est parti, on va commencer avec Baby. Inévitable. Justin s'intéresse également à un autre aspect de la vie d'adolescent, même si sa mère aurait préféré qu'il attende un peu pour ça. Si tu avais une copine, où est-ce que tu l'emmènerais en rendez-vous? Quel est ton endroit préféré pour un rendez-vous? Je l'emmènerais dîner, sans doute. Dîner, très bien. C'est un bon choix. J'ai entendu dire que tu avais été en contact avec Demi ou Selena sur Internet. Est-ce que c'est vrai? Tu leur as parlé? C'est de l'amitié ou c'est plus sérieux? Comment ça? Avec Demi et Selena? Non, j'ai revu Demi quelques fois et Selena et moi, on est bons amis. Justin, tu vois Kim Kardashian? Poussez-vous de là! C'est un plaisir de te voir! Justin! Cette année va être chargée pour Justin. Entre les avant-premières de son film, une tournée mondiale et peut-être un Grammy Award, on peut se demander jusqu'où Justin va aller. Vous pensez qu'il va dépasser le statut de star éphémère? Les Jonas Brothers ont cartonné et ils ont disparu. Le secret, c'est d'évoluer en même temps que ses fans. Je vois. On peut pas passer sa vie à chanter pour les enfants. Quand t'es enfant, tu chantes pour les enfants. Mais il faut évoluer en devenant un adulte. Et c'est ça le plus difficile. Ça reste quelque chose d'incroyable, le succès qu'il a eu. Tout le monde aimerait avoir 16 ou 17 ans et avoir le monde à ses pieds comme ça. C'est génial et je suis heureux pour lui. Et je suis presque sûr qu'il va continuer sur sa lancée et avoir un énorme succès. Je pense que la célébrité n'entre pas en ligne de compte. Pour moi, peu importe qui on est ou quel âge on a, ça ne change rien sur ce qu'on peut faire pour aider les autres. Je suis jeune et je suis content parce que je peux influencer d'autres jeunes et leur dire de se bouger pour changer les choses. On peut dire que Justin est un diamant à l'état brut. Et il va sans aucun doute réussir à s'imposer dans le monde de la musique pendant de longues années. Tous les matins, tu dois te regarder dans le miroir et te dire « Je vais sortir un tube, non ?» T'as du talent. Si tu crois pas, personne peut y croire. Bieber déclare ceci. J'espère pouvoir influencer les autres de façon positive. Le message que je veux faire passer est que l'on peut tout faire si on se donne au maximum. J'ai grandi sous le seuil de pauvreté, je n'avais pas autant de choses que les autres, ça m'a rendu plus fort et ça a forgé mon caractère. Merci beaucoup à tous. Je vous adore, vous êtes géniaux. Et pourtant, Justin Bieber ne fait que commencer.
Merci.